Et bonjour tout le monde. Bonjour Jules dr3. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau point. Comment ça va? Bienvenue dans ce nouveau point du midi sur la route du Rhum destination Guadeloupe. Euh, on va aller voir comment se passe la course. Euh, les prochaines arrivées, tout ça, tout ça. Il y a encore encore quelques bateaux à. Et merci pour le flow. Merci beaucoup. Euh, il y a encore quelques bateaux à, à arriver. Donc bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Et on va commencer tout de suite par les Imoca, où on a euh, l'approche actuellement de euh, Rodolphe Cepho, qui est encore à 154 000 de ligne. Ça fait encore un peu de distance, mais ça devrait arriver... Euh, dans la prochaine Alors, la, sa trajectoire est assez bizarre. Il fait une trajectoire euh, assez sud. Euh, pourtant, il pourrait vraiment avoir un meilleur angle, je pense, en direction de... De la tête à l'anglais. Mais euh, bizarre. Bien sa tra 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 trajectoire là. À chaque fois je viens. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est bizarre. Euh, mais sa <smoking> trajectoire est assez bizarre par rapport <mor MEL Thanks> à. Sa trajectoire est assez bizarre par rapport au... à la route. Est-ce que ce serait pas un abandon Il irait directement en Guadeloupe. Enfin, directement à, à, en à Pointe-à-Pitre. Je ne sais pas, ce serait dommage, ce serait dommage de, bah, de faire ça, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, il a l'air de faire une route directement sur Pointe-à-Pitre, bizarre, bizarre, bizarre. Derrière, on retrouve Nicolas Rouguet, bah, qui n'a pas une route beaucoup plus logique, en vrai, pour l'instant, euh, qui n'a pas une route beaucoup plus logique, actuellement, à 11-2-3. Nicolas Rouguet qui, du coup, n'aura pas sa qualification au Vendée Globe si... Euh... Même s'il termine, il n'aura pas sa qualification Vendée Globe puisque il, il, il finit à plus de 150% du temps des, des premiers. Enfin, il finit à plus de 50% de plus du temps des premiers, donc euh, qui était de 17 jours et quelques heures. Et là, il a 18 jours, je crois. On a 18 jours de mer. Donc, euh, du coup, malheureusement, il n'aura pas son, sa qualification. Ça ne marquera pas. Euh... C'est trop. De quoi? J'y vais, je suis pas assez dire, mais je suis pas trop. Ouais, pas tous ces Jules. Salut, salut, salut. Euh, donc il est, il est, il est trop en retard pour pouvoir euh, se qualifier à la route de euh, Rome, au Vendée Globe. Donc son nombre de milles va être comptabilisé, mais par contre ça va pas comptabiliser comme une course faite euh, de qualification. Et derrière on retrouve euh, <coughs> Oliver hier qui lui a jusqu'au 30, et, au 30 pour arriver, il est encore à 701 000 de la ligne. Il va pas falloir traîner, il a, il a 9 nœuds, presque 10 nœuds. Euh, 9 9, 10 nœuds, donc. Il ne pas traîner, mais ça peut presque encore le faire. Mais il va vraiment il va pas falloir traîner. Quoi. Il va vraiment pas falloir traîner. On va passer maintenant en classe 40. En classe 40, on a eu normalement des nouvelles arrivées. Oui, on a eu des nouvelles arrivées, bien évidemment. Euh, hier, donc, on avait vu l'arrivée en dernier de Baptiste Tulin en 18ème position. Alors, ensuite, on a eu du coup l'arrivée de Cédric Château à 20h49. Donc prenant le point d'hier, en fait. Ensuite, on a eu l'arrivée de Marc vingt à 21h58. Puis l'arrivée de Andrea Fornaro, influence, à minuit 45. L'arrivée de Jean-Baptiste Daramy à 8h16. Et le prochain arrivé, ce sera. Euh, visitant qui va bientôt passer la tête à l'anglais, suivi proche derrière par euh, Kieran Le Borgne. On va voir s'il arrive à passer devant ou pas. Ça va être un, les recycleurs breton Ça va être une jolie petite bataille autour de la Guadeloupe. Derrière, on retrouve Stan Turé sur Everial en 26 e position, actuellement à euh, 162 000 de l'arrivée, donc arrivé dans la, enfin, dans la nuit prochaine. Quoi et d'ailleurs, on a tout un petit groupe à peu près sur la même euh, longitude. Enfin, quoique non. On a quand même Il y a quand même Pierre Cazenave-Péret euh, qui est euh, un tout petit peu devant en longitude. Et qui va avoir surtout un très bon angle pour remonter. Euh, mais sinon, après, on retrouve euh, Pialou Atuel qui est pas trop mal placé aussi. Qui a un très bon angle aussi pour remonter, mais qui est plus loin du coup. Qui est quand même plus loin de l'arrivée. Et après sinon on retrouve, euh, bah, on a vu Vurial, on est en 28ème position, Greg Leonard à la bataille, un petit peu devant quand même, euh, Victor Just et euh, Mathieu Claveau. Donc c'est un petit trio, là, une petite bataille à 3 qui va être intéressante à suivre. Derrière on retrouve Médecin du Monde dans Morgane, ce Poupon en 31ème position, qui va bientôt devoir empanner pour aller chercher l'Alley la, la, Line. Et derrière, euh, Friends Bouvet en 32ème position. Un petit peu celui bah, qui, qui fait le dernier bord vers la Et derrière, on retrouve euh, Florent Guéguin, suivi proche par Maxime Co et euh, euh, Anatole Facon en 35 e position. Dernière position de, du groupe euh, composé. Et il euh, n'y a plus que euh, Morgan sur qui a besoin d'empanner pour aller chercher la Line. Sinon, tous là vont déjà chercher la Line et ensuite vont empanner sur la Line pour arriver en Guadeloupe. Pour arriver sur la tête à l'anglais. <laughs> Derrière, complètement esselé, on retrouve Kenny Piproll sur Captain Alternance en 37ème position. Euh, qui se bat pour pas finir dernier avec Hervé Thomas, qui lui est dans les dépressions du nord. Il y a 9-7, euh, au sud d'une dépression qui est assez violente. Donc heureusement qu'il n'est pas plus noir que ça. Euh, qui cherche toujours le passage pour descendre. Ça n'a pas l'air facile, vraiment. Ça n'a pas l'air facile du tout, même. Euh, mais bon bah il faut qu'il trouve hein, faut qu il faut qu'il trouve On peut regarder là, dans les prochaines heures Le petit passage qu'on avait vu semble-t-il semble c'est pas forcément très ouvert Ah finalement, ouais là ça a l'air d'aller là, ici ça a l'air d'aller cette n 6 C'est... c'est... ouais là c'est pas mal, là c'est pas mal donc je pense que c'est ça qu'il vise hein 53 heures, ouais il y a un petit passage donc à voir Mais, mais voilà pour lui l'objectif du coup c'est maintenant de descendre au sud pour essayer de passer dans ce passage là et l'objectif de c'est, on voit, il fait des petits empanages. Donc il va enchaîner les petits empanages euh, pour rejoindre la Guadeloupe. On verra qui finira en dernier entre Hervé Thomas et, euh, et Prol. Ça va être super cool à suivre. En Rome Multi maintenant. En Rome Multi, on a eu euh, des arrivées. Oui, oui, on a eu des arrivées. Euh, donc on a eu l'arrivée de Gwen Chaplin, on a eu une arrivée, l'arrivée de Gwen Chaplin en cinquième position euh, à 3h34 cette nuit. Prochaine arrivée qu'on aura sera sûrement Philippe Poupon, mais qui est toujours à la bataille avec Fabrice Payen. Et merci pour le follow, Seb. Seb BZ, BZH, merci beaucoup. Euh, donc euh, Philippe Poupon est toujours à la bataille avec Fabrice Payen. Euh, Philippe Poupon qui semble vouloir vraiment monter plus au nord. Enfin, de vite aller chercher la line pour redescendre Alors que Fabrice Payange semble vouloir faire plutôt de Ce qu'on appelle de la VMG Donc en fait abattre le plus possible Faire le moins de route possible euh, C'est deux options complètement euh, Différentes euh, L'avantage c'est qu'en fait il va, il va faire Moins de route que Philippe Poupon Mais euh, d'ailleurs en fait Quand Philippe Poupon va empanner il va bombarder Alors que lui il va être toujours euh, bah, Aux alentours de 10 nœuds quoi un, Surtout un multicoque au, au VMG ça avance pas quoi un multicoque au VMG ça avance pas. Alors que bah un monocoque ça peut avancer. Mais euh, Un multicoque au VMG c'est une bouse. C'est une bouse. Donc. On va voir qui c'est qui va qui va mieux, le mieux s'en sortir. Et salut Matisse, comment tu vas On va voir qui c'est qui va le mieux s'en sortir entre, entre les deux. J'ai hâte, hâte de voir. J'ai hâte de voir. Et derrière, on retrouve la bataille des vieux trimarans. Même, même si c'est en train de se... Ouais ça va Nickel et toi Bah ça va, ça va, ça va. Ça va. Euh, la bataille des vieux trimants, même si c'est un peu en train de se transformer en duel. Avant, c'était un trio, euh, c'était même un quatuor entre Laurent et Thomas Lurton, euh, Christophe Beaugrand et euh, Charlie Capel. Ça s'est transformé en trio avec ces trois-là. Et c'est même, j'ai l'impression, en train de se transformer en quatuor, En quator, je sais pas comment on dit, je sais plus. Enfin, en. C'est en train de se transformer en duo. C'était un quatuor. Ça s'est transformé en trio, triopie, là, ça s'est transformé en duo. Euh, puisque Charlie... Euh, Christophe Beaugrand... Quoique je ne suis pas content d'un truc. Qu'est-ce qu'il y a euh, Christophe Beaugrand est à la bataille avec euh, Charlie Capel. Et derrière, on voit que malheureusement, Thomas Lurton a l'air d'être un peu distancé. Et euh, Laurent était maire est encore plus distancé. Bonjour, les concurrents repartent en bateau ou en avion. Euh, généralement, les concurrents repartent en. Donc, salut, salut Seb. Euh, les concurrents repartent en avion. Euh, parce qu'ils sont cramés à la fin d'une course comme ça, en solitaire et tout, ils sont cramés. Donc, généralement, ils repartent en avion et les... soit les bateaux sont ramenés par cargo, euh, notamment les classes 40, soit les bateaux sont ramenés en convoyage par les, par les équipes techniques ou par des amis. Pour les, cla... les rums par exemple, c'est des amis. Euh, là, notamment, euh, pour Wilfried, mon ami euh, en RUM mono, euh, c'est son ami qui va le ramener avec, euh, avec des... des amis à lui, quoi voilà c'est son enfin, c'est son ami qui a préparé aussi le bateau hein. mais mais comme c'est pas hyper professionnel c'est pas une, pas une équipe professionnelle pour préparer ce bateau euh, c'est voilà, son ami avec euh, d'autres personnes qui vont ramener le bateau quoi. ils ont déjà organisé à terminer une remise des prix en imoca alors qu'il reste il en reste autrement en mer non mais pas que pour la pas que pour les imoca euh... Mathis d'après ce que j'ai compris c'est pour toutes les classes parce que d'après ce que j'ai compris euh, Serge rentre à... Serge rentre à, en Normandie mardi je crois d'après ce que j'ai compris. Ah ouais ouais. T'as bien entendu, as bien entendu. Donc la vidéo euh, contre ces sports ils vont se la prendre ils vont se la prendre en pleine face. Ils vont se la prendre. Ils vont se la prendre. J'ai pas vu celle des ultimes des Ocean City. Euh, y en a eu une je crois Il y en a eu une, une mais, mais bon voilà. Donc voilà là l'objectif pour eux bah, c'est on tire un bas vers le dessus comme ça. Ensuite, ils réempaneront pour aller chercher la Line et ils iront là. Et là, bah, du coup, voilà, belle bataille entre, entre euh, Philippe Poupon et, et Fabrice Payen. On va voir qui c'est qui finira devant. Euh, ça va être super intéressant. Là, on voit qu'il est à 15 no Philippe Poupon, alors que là, il a à 10, 10 4 Donc euh, on voit quoi, il fait plus de distance, mais il euh, y a moyen que ça, soit, ça finisse devant. On va passer au rom Mono En rom mono, du coup, Catherine Chabot est toujours deuxième. Euh, elle a empanné. Elle a dit qu'elle avait sorti leur nouveau, un autre speed. Donc, bah, Wilfried avait qu'à bien se tenir. Oui, elle a dit ça comme ça. Elle le connaît un petit peu. Donc, ça ne m'étonne pas que ça se charrie un peu entre les deux. Ça ne m'étonne pas. Mais, euh, mais voilà, Catherine Chabot finit deuxième. Va bah, finir sûrement deuxième. Elle est actuellement à 8,6 euh, à 206 000 du but. Euh, sa dernière position, c'est à 10h31. Et la dernière position de Wilfried, c'est... 6h19, donc position encore très tardive. Euh, il était à 148 000 de, de Catherine. Il était à 11 h Putain Il bombarde. Il bombarde. Oh, donnez plus vite, ça va. Non, mais sérieux, j'en ai marre. T'as raison de t'énerver. Oui, non, mais ils vont prendre une vidéo dans la, dans la face. Et ils vont rien comprendre. <coughs> oui, mais il y a eu l'accident. Ouais, bah ouais. L'accident, il a bon dos, tu vois. Je trouve que l'accident a quand même très bon dos. L'accident, d'accord, ok, il y a eu deux personnes disparues et c'est super triste mais l'accident a quand même très bon dos. L'accident a quand même très bon dos. Euh, donc euh, Wilfrid donc mon ami Wilfrid en troisième position. Et derrière, quatrième, euh, Willby Sainte. Euh, qui est. Normalement, ne devrait pas pouvoir euh, gêner mon Wilfrid. Et derrière, on a euh, Gilles Colubia en cinquième position. Et on a retrouvé la position d'Olivier Memsgern, euh, qui est un petit peu derrière, du coup, qui est en sixième position. Fait... C'est cool de le retrouver parce que lui, pareil, il avait des problèmes de positionnement. Euh, c'est une maladie chez les, chez les Romono. Euh, il est en sixième position à... et sa dernière position, c'est heures. Après, il y a encore une chance de rattraper Catherine sur le tour de Guadeloupe Oui, c'est vrai. c'est vrai, vrai Je ne savais pas que Jean galson faisait de la voile. Et oui, Jean galphone fait de la voile, ouais. Il fait de la course au large. Donc voilà pour euh, cette partie. Ensuite, on retrouve euh, Guy Prenier sur Terre Animo qui fait une belle course avec son bateau de croisière. Très belle course avec son bateau de croisière. Il est devant euh, Fabio Gennarini et euh, Guy euh, Rémy Guérin qui se battent ensemble. Derrière, on retrouve la bataille entre euh, Arnaud Pernin sur son Pengduc 3. Et après, c'est la bataille pour pas finir dernier entre euh, Daniel Escalar et euh, Jean-Sébastien Biard. Là, ils ont tous de l'air maintenant. On voit, là, il y a 7 nœuds 6, 8 nœuds, 7 nœuds 3. Donc, ça avance. Donc, euh, ils ont tous de l'air. Maintenant, ça va être la bataille euh, dans du vent. Ça devrait être mieux. Euh, je suis pas sûr que tout... Je pense qu'il y en a qui vont arriver hors délai, malheureusement. Mais, euh, mais bon, tous pourraient, devons, vont pouvoir finir, je pense, quand même. Même s'ils sont pas dans les délais. Euh... Oui, et malheureusement, il a abandonné, ouais. malheureusement, il a abandonné. Ils finiront pas tous dans les délais, je pense. Mais ça devrait euh, quand même se terminer. Donc, normalement, tous les Rum Mono auront traversé l'Atlantique. Ce qui est quand même, voilà, qui est la seule classe où il n'y aura pas eu d'abandon, techniquement. Enfin, jusqu'à maintenant, on croisait doigts, je touche du bois. Mais c'est la seule classe où il n'y aura pas eu d'abandon, la classe Rum Mono. Puisqu'en ultime. Ah, ultime non plus, il n'y a pas eu d'abandon. Non, il y a... alors il y aura ultime. Euh, Chaîne Fétis, il y a eu des abandons. Ouais, les ultimes, il n'y a pas eu d'abandon aussi. Il y aura eu deux classes où il n'y aura pas eu d'abandon ultime et euh, rum Ultime et rum C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En tout cas, voilà, leur objectif à eux, là, c'est soit de tirer des petits bords comme fait le classe 40, là. Ça serait cool. Ben ouais, ça serait cool. Soit, traversant, en faisant des petits bords comme fait euh, Kenny Piprol en classe 40. Soit tirer un long bord comme ça, puis retire un bord vers le nord, puis retire un bord vers la Guadeloupe. En tout cas, voilà. Mais voilà, la bataille devant, ouais, tour de Guadeloupe, ça peut encore se faire, même si, bon, il y a quand même 148 000 de retard. Euh, mais Wilfried bombarde actuellement à 11 nœuds, donc euh, 11 nœuds 1, bon, 9 nœuds 6 sur 4 heures. Et là, on voit euh, 8 nœuds 6, 8 nœuds 7 sur 4 heures. Donc il lui reprend quand même presque 3-4 presque nœuds, donc c'est pas mal. Oui, mais il doit avoir un bon sponsor, Galphane. Euh, je sais plus qui c'est son sponsor. Bon, attendez, on va regarder. On va regarder classe 40. Euh... C'est... Euh, alors, Orion du croc c'est Croxol. Et c'est. Euh... Ah, c'est Serenis euh... Consulting, ouais, ça. Genre c'est Serenis Consulting. Et moi, j'ai eu peur quand il y a eu une série de casse en classe 40 en Nimoca. Ah, j'ai eu peur aussi, hein. Je ne suis pas te cacher euh... Mais voilà. En tout cas, voilà pour la, pour la catégorie Rum Mono où je vais bientôt pouvoir euh, réavoir mon, mon ami au téléphone et pouvoir le féliciter pour sa troisième place. Enfin, on, espère, on, va, on espère garder la troisième place. Ça devrait se faire normalement. Et, euh, et pouvoir lui dire que je suis content de lui. Et voilà. Voilà, voilà. Et bah ben, du coup, c'est la fin de ce point. Ou deuxième. Ou deuxième, ce sera encore mieux. <laughs> Ou deuxième, ce sera encore mieux. Mais Catherine n'a pas laissé faire. Catherine n'a pas laissé faire. Elle a un bon bateau, elle est très forte aussi, donc ça va falloir tartiner quoi, va falloir tartiner. Bon en tout cas, on va cesser là-dessus. C'est la fin de ce point du midi sur la route du destination Guadeloupe. On se retrouve ce soir à 17h, oui l'annonce c'est que ce soir à 17h on se retrouve pour du F1 Manager. Voilà, ce soir je stream parce qu'il fait pas beau. Mathis tu pourrais rappeler tes nuages s'il te plaît, mais là parce qu'il fait pas beau là. Rappelle tes nuages, please. Euh, dommage que tu ne donnes pas ne dis pas bonne course en Guadeloupe. Là, bah, je leur téléphone, je leur téléphone. Mais voilà, il fait pas très beau donc du coup je reste chez moi et je vais, je vais euh, faire, euh, faire des... des petits trucs cet après-midi et puis ce soir à 17h stream euh, sur euh, du Nord, alors soit Normandie ou la Bretagne. Non, 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 c'est une excuse, ça. Non, c'est une excuse, Matisse. Et, et alors, Sailway, Way, j'ai fini deuxième. Et Sailway, on y rejouera en janvier. <coughs> pour, euh, pour The Ocean Rise. Voilà. Et je ne ferai plus que de l'automatique jusqu'à ce que Sailway 3 sorte. Ah, de la méthode. Aïe, 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 aïe. Mais, euh, mais voilà, en tout cas. Euh, hum... En tout cas, voilà, ce on se retrouve à 17h pour, euh, pour du euh, F1 manager. Voilà. Bah du coup, on va se passer là-dessus, tout le monde. YouTube, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch aussi. Les, les points continuent hein, jusqu'à l'arrivée du dernier ou au moins jusqu'à la fermeture de la ligne. Donc jusqu'au 7 décembre, il y aura des points euh, réguliers sur la course euh, pour voir l'avancée des derniers bateaux. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à midi et à 20h30 euh, pour les points euh, sur la route du Rhum, voilà. Et bah du coup, je vous souhaite une bonne après-midi, euh, à ce soir 17h pour Twitch, à, euh, si vous regardez que les, les rediffs, 20h30 pour, euh, pour Youtube. Euh, pour le pour la rediff du, du point et sinon bah, n'hésitez pas à venir sur Twitch hein, voilà. et, euh, et pour Twitch bah à ce soir euh, à 17h pour euh, bah, pour Reform Manager ou si vous n'êtes que pour les pour les points de route du Rhum à 17h euh, à 20h30 voilà et ben bah, je vous fais des gros bisous vive Jérémy mis... non vive, euh... vive Charlie euh... <laughs> Des gros bisous, à ce soir tout le monde, à 17h. Et, euh, et vive Charlie, et vive la Normandie, et vive euh, Et vive la vive une des personnes, vive la voile. Oh, exactement. Et vive une des personnes qui est, qui est actuellement sur ce début ultime. Oui, vive la voile. Non, Oui, vive si vive une personne qui est sur ce débat ultime actuellement. Puisqu'à bord de ce début ultime, se trouve un certain... Pas Guillaume. <laughs> si, si. À bord de ce déball team, se trouve un certain Guillaume Pirouel. Euh, grand espoir de la voile. Voilà. Grand espoir de la voile océanique. Euh, qui va débarquer en, un jour en Imoca et qui bah, va, faire une, va faire une chalet d'Alain, quoi. C'est-à-dire qu'il va tout gagner. Et vive la course large. Et exactement. Bon, allez. Gros bisous. À ce soir pour, euh, bah, pour le stream à 17h. Ou pour le point de 20h30. Allez, des bisous.